le spécialiste en climatisation depuis 25 ans, est fier de vous présenter cette émission spéciale soulignant la carrière de Céline. Oui, moi je pense que c'est grave. Ouais. Ça me paraît être un ton en dessous. Ouais, on ne trouve pas le brillant de sa voix. C'est vite. On n'a pas le sentiment véritable parce qu'elle n'est pas au maximum de ses moyens. J'ai téléphoné hier parce que tu sais que c'est le lancement la semaine prochaine de l'album de Céline. Je me dis souvent. Viens écouter. Ils sont allés écouter. Très beau. Viens écouter. C'est ça, exactement. J'ai reçu une cassette comme ça d'une petite fille qui chantait une chanson que sa maman avait composée. Et puis, quand j'ai écouté cette cassette-là, j'ai eu comme une espèce de choc parce que j'avais beaucoup de difficulté à croire que cette voix-là, c'était celle d'une petite fille de 12 ans. C'est ça. Alors, je me souviendrai toujours, Céline, elle est venue, elle était toute petite avec sa maman. Et puis là,